Au niveau européen, du côté anversois. Les compositions d'équipe du côté de Saint-Trons-Teux, Kurs Van Dessel sont blessés. Bauer, exclu à Malines, est suspendu. De Latte, ballon dans la surface en direction de Frey. Leitzner détourne. Ballon toujours anversois avec Nainggolan. Oh, la belle frappe. Ah oui, il a raison de tenter sa chance. C'est quand même une de ses armes. Qui centre Frey. Ça se referme devant lui. Benson qui tente d'enrouler. Ça passe à côté. C'était une belle possibilité, ça. Bien joué de la part de Frey. Bruls. Premier poteau. Il y avait Teixeira. De Rieder. Lui aussi, il a une bonne frappe à distance. Elle passe à côté. Pas facile pour Suzuki, évidemment, sur ses longs ballons. Ballon perdu. Frappe. Oh, elle partait pas mal. Frappe de Koita. Attention, le contrôle de Vines. Shioka. De Rieder. Et la reprise, c'est goal. Et c'est 1-0 pour Saint-Trons. Hayashi. Les Trudonnaires qui mettaient un peu plus de pression depuis quelques minutes. Il y a un petit souci avec Vines là. Bon ballon de Rieder. Et la finition par Hayashi. Hayashi. Nainggolan. Attention à la perte de balle. La contre-attaque amorcée par Saint-Trons avec Koita. Qui va tout seul. Koita. Magnifique. Oh, 2-0. Il a tout fait tout seul, quasiment. Koita. Joue avec l'un ou l'autre de ses partenaires. On lui reprochera rien, évidemment, vu que la finition, en plus, est absolument parfaite. C'est drôlement efficace hein, du côté de Saint-Trons. Deux occasions, deux buts. Trudonnaire qui attend donc cette première victoire à domicile depuis la première chance. Ouh là là, attention à ça. Quel tacle. Hayashi, Koita. Joué de la part de Koita. Et le ballon détourné à même la ligne. Du côté de l'Antwerp, quand on voit la facilité quand même que Koita a pour... à nouveau par Koita. C'est pas terminé de Rieder. Qu'est-ce qu'il fait là? Bon ballon, il est seul. Suzuki, la frappe. Suzuki, les Anversois se replient. De Rieder. Bruls. Konaté va frapper. Et ça part, c'est cadré, mais c'est sans danger pour buter. Bruls. Qui en fait trop et qui perd le ballon. Nainggolan. Il va y aller tout seul. Raja Nainggolan pour un centre en retrait. Fichon. Oh là 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 là, quelle occasion. Quelle occasion manquée. Le coup de coin. Avec un ballon qui file au fond. Oh que c'était bien joué. Qui a divisé ça? Sec. Ça c'est une belle reprise et ça fait 2-1. Ça veut dire que la partie est quand même relancée tard dans la rencontre, mais tout redevient possible évidemment. C'est Samata qui reprend ça. Oh là là, quel délire. Magnifique hein, la reprise de la tête. Rien à dire, c'est du Samata tout craché ça. Alors, qui va monter là, du côté Trudonnaire. Faute sur Raja Nainggolan. C'est Durkin qui va monter. Bon, allez, elle va être intéressante cette fin de partie, parce que les Anversois vont évidemment pousser. Coup franc. Avec encore une reprise de la tête. Suzuki. Ara. Qui tente une frappe, il est à peine monté. C'est vrai qu'il y a eu un changement dans le temps additionnel. C'est fini, victoire de Saint-Trons. Belle victoire, très belle victoire.